Abonnez-vous sur Pifo Télévision, je vous informe sur notre devoir. Matonzi mingi tokoso la penza a mokolo mwalelo, mais matali bongo ba conflit parcellaire au penza. Bobete mokonzi amboka tango penza kote ke moto ya kolo a telemina ki o na penza lo ba ke sengali te penza moto mwalelo na droit li bosu ya justice bongo penza ba zusi bolo ba kata mibeko bongo ba katinde ba poche na bango ba tali intere na bango kasi o na penza bouto mokonzi amboka telemina yango toli ke penza maso makoma kotambo la boye lungo bani o kati amboka na biso moke penza ya bato ba tira na kata ba conflit o wane o na penza ba sango e kome li biso mokolo mwalelo bande ko baiba ko senga penza implication ya mokonzi amboka na injustice oyo bango bongo so pena ba ali victime to kota en kasa et penza komi ba pandisango ya droits humains conflit parcellaire en RDC. La succession de Jean-Yves Santos dénonce l'influence politique et l'usage de faux documents de la part de la succession William Domso dans l'affaire qui oppose le deux parties oyo penza bandeko et à succession Jean-Yves Santos bali penza ko sen implication ba konde sen li ba tala li kam ona ba kata te po na ba couleur politique ba kata te po na ba poids politique c'est ba kata moto me penza ali na raison a dzonga na ici kata ko tika penza malingi mo ke mo penza comme il viso bolande o bo kebi e bongo to dzonga sima. En Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, les secteurs fonciers, les théâtres des conflits et des problèmes liés aux terres. Cette question met les cours et tribunaux sur les devants de la scène. Le dernier cas en date est celui de la succession de Jean-Yves Santos, décédé il y a longtemps, et Marie-Cécile Ngachi, son épouse, opposée à William Damso et consorts, qui cherchent, selon la famille de M. Yves Santos, à rester illégalement dans ces deux parcelles. À cette occasion, la famille du feu Jean-Yves Santos dénonce les enlèvements dont elle est victime ces derniers temps et sollicite l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'ambassade du Portugal en République démocratique du Congo pour sa sécurité et de ses biens. Signalons que M. Jean-Yves Santos est un citoyen portugais et William Damso est un Belge. On a penza bolandi un mini reportage penza succession Yves Santos bazali penza ko réclamé parcelle na bango na commune na Gombe oyo bongo et ali occupé injustement na succession d'Amso au penza bali na droite selon bango ko occupé concession ena bande ko penza bali côté melango sigi na bazu penza ba kata kam ona boy ngo bani totiki penza mibeko eloba na sika monto ko zonga bino na mikomiali ko apa penza bolali ba sango na matali sujet ona a maxi et tukute mbala sima bo continuer ko s'abonner pe ko liker pe ko partager ba vidéo na biso bo tika malam. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, je vous informe sur notre devoir.